Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire un livre qui s'intitule Débrancher. Alors on voit sur la page couverture, on voit un petit robot. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Bonjour Blip. Blip aime être branché à son ordinateur. Sur son ordinateur, Blip apprend des choses, joue à des jeux rigolos, écoute de la musique et visite des endroits merveilleux. Toute la journée, mais un jour, je regarde toutes les choses que Blip peut faire sur son ordinateur. Mais un jour, il y a une panne d'électricité. Oh qu'est-ce qui va se passer? Blip trébuche sur son fil. Il dégringole jusqu'en bas de l'escalier et se retrouve dehors. Il dévale une colline abrupte et fleurie, roule parmi les grands arbres d'une forêt, puis descend une longue rivière sinueuse emportée par le courant. As-tu remarqué quelque chose? Il y a plein de couleurs dehors, mais sur son ordinateur, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Blip est dans la nature. Il apprend des choses, joue à des jeux rigolos, écoute de la musique et visite dans des endroits merveilleux. Toute la journée, regarde toutes les belles choses qu'il peut faire quand il joue dehors. Wow, est-ce que toi tu aimes ça jouer dehors? Mais il se fait tard. Regarde, Blip regarde le coucher du soleil. Wow. Les couleurs sont vraiment belles. Blip remonte alors le courant de la longue rivière sinueuse, retrouve son chemin parmi les arbres dans la forêt et il gravit la colline abrupte et fleurie. Il dit au revoir à ses nouveaux amis. Blip remonte jusqu'en haut de l'escalier. Oh là là, il n'y a plus de couleurs. Il se rebranche à son ordinateur. Bonjour Blip. Blip aime bien être branché à son ordinateur, mais il n'arrête pas de penser. À quoi tu penses? À quel point c'était agréable d'être débranché. Alors toi, est-ce que tu passes beaucoup de temps à jouer dehors et à regarder la nature et à regarder toutes les belles couleurs? J'espère que oui. Bonne journée!